Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans votre émission Fa, l'émission dans laquelle on se regarde, on se dit ce qu'on pense l'un de l'autre, on te pose des questions, tu es fâché, mais tu es là, c'est comme ça, ça se passe. Alors recevez votre humble serviteur que je suis, Serge de Fallet, la légende. Mais sans oublier, celui-là même qui apporte toujours son piment à la touche, celui qui a les questions tôt nutriantes, j'ai nommé mon binôme Anaconda, toujours Anaconda. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent depuis les pages internet, Facebook, YouTube et toutes les plateformes. Alors, pour ce fa-fa de ce jour, nous recevons quelqu'un. Il est très pétri de talent. Par moments, il sort des concepts qui créent par moments la polémique entre les hommes et les femmes. Tantôt, il s'érige en défenseur de la gente féminine. Et les hommes qui, par moments, ne sont pas contents, peuvent sortir de sur la toile aussi avec des sons pour le contrecaler. Mais il n'arrête pas, il continue toujours sa lancée avec des concepts à profusion. Et il est tout le temps prêt à chanter comme un rossignol. Mesdames et messieurs, je vous présente DJ Léo. DJ Léo. On n'est pas levé. Oui, c'est vraiment un plaisir de te voir champion. C'est un gars. Et à chaque fois que je te vois depuis le temps, tu connais un peu nos rapports. Ouais, c'est toujours un plaisir. Alors Anaconda, bon, l'artiste est là, DJ Léo. Mais tu n'as même pas salué Kenzo. Bon, ok, salut. Oh, salut mon frère Kenzo. Vraiment, ah. Merci. Même ceci passé, tu n'es pas passé. C'est pas bien grave. Je repasserai après. Alors, salutations à la grande famille Kenzo, Cash Money. Merci pour le soutien, frère. Alors, Anaconda, DJ Léo, il a toujours sa coupe et ses locks. Un peu de feu, un peu en bas. Bon, tu sais, on le connaît. C'est le cadeau du ciel. Tu n'as même pas rajouté ça. C'est bon, le cadeau du ciel. Oui, en plus, c'est vrai. Le cadeau du ciel. Ciel. Oui, le cadeau du ciel. Voilà. Champion Léo, comment tu vas? Respect le vieux. Respect. L'homme de Zénou là. Ouais. Voilà. C'est gourou, non? Ouais, c'est gourou, ouais. Mais eux aussi, ils aiment parler souvent. Ah, donc Zanté là-bas, mon cher. Tu as dit, tu l'appelles tout à l'heure, mon vieux. Comment? Je suppose que vous vous connaissez bien. Ah, ouais. Attends, on arrête un peu. Vous vous connaissez bien. Hein? Voilà. Bon. Parce que toi, moi, on ne se connaît pas. Ouais. Donc, ah, c'est-à-dire, tu connais Défalé. Et s'il y a des Claire Bailly, tu connais Claire Bailly? Ouais, je connais. Bon, c'est deux personnes qui sont quittées dans Coupé Décalé. Ils disent qu'il y a un problème là-bas. Ils chantent pour Dieu. C'est quoi le problème qu'il y a là-bas? Non, mais moi, je crois que c'est un appel. C'est un appel. Mm-hmm. Voilà. Moi, dans le coupé décalé, c'est vrai, c'est, le coupé décalé, c'est un peu la vie active, tu vois. Et il y a des mauvaises choses comme des bonnes choses. Il faut savoir choisir. Et je crois que pour eux, c'est un appel de Dieu. Donc, ils ont décidé comme ça de suivre la bonne voie. Voilà. Ah, donc, vous qui êtes encore là-bas, vous n'êtes pas dans la bonne voie? Non, la meilleure voie, en fait. La meilleure voie, parce que la voie de Dieu est, tu vois, un peu incomparable, franchement. En tout cas, Claire Bailly a défalé. Ce qu'ils disent là, ils ne disent pas les bonnes choses, hein, où ils sont quittés là. Enfin, aïe, bref. Ça quoi, moi? Depuis qu'on a dit mauvaise chose. Quelle mauvaise chose? Ah, ils disent qu'il y a trop de problèmes là-bas. Claire Bailly dit, il y a pression, les filles se vendent, les voitures roulent, c'est pas pour elles, tout ça là. Il y a trop de problèmes dans le coupé décalé là. Non, mais c'est pas le coupé décalé seulement. Moi, je crois que c'est... C'est déjà, c'est dans la vie même, ouais. C'est la vie même qui est gâtée aujourd'hui. Ouais. Et puis bon, quand tu es dedans, que toi-même tu veux encore te pourrir la vie, toi te pourris la vie, c'est tranquille. Ah ouais. Mais c'est comme aujourd'hui, les filles qui se prostituent par moi sur les réseaux sociaux, on dit elles font du coupé décalé. Mais pourtant, avant c'était une djandjou déa. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, franchement. Non Léo, c'est-à-dire que toi tout petit déjà, tu laisses l'école pour devenir danseur. Ouais. Aujourd'hui, tu n'as pas de regrets? Bon. Un peu, oui. Un peu parce que je devais continuer. Je ne savais pas. J'étais en ce moment inconscient. Tellement j'aimais la danse. Mais je n'avais pas compris qu'on pouvait jumeler. Voilà, la musique et en même temps les études. Parce que ça va de pair. Voilà, ça va de pair. Et aujourd'hui, je regrette parce que je n'ai pas de diplôme. Et musique, là, on connaît. Souvent, c'est comme ça. Souvent, c'est comme ça. Souvent, c'est gauche. Souvent, c'est droit. Souvent, c'est bizarre. Voilà. Et surtout l'anglais, que je ne sais pas parler ça seulement. En tout cas, quand ils voient les anglophones bien en train de parler, c'est trop en diarrhée. Et puis, c'est fâché en même temps. Sinon, ouais. C'est-à-dire, toi, tu ne commences pas la musique. Toi, tu commences avec la danse. Avec la danse. Pas après maintenant. Mais pourquoi, Anaconda, bizarrement, dans sa carrière, on ne te voit pas trop côté danse. C'est moi, je te vois plus au chant, oui. Mais pas danse. Pourtant, le coupé décalé, il n'y avait pas de danse, oui. Danse, tu vois. Oui. Dans le début, je dansais. Mm-hmm. Dans le début, je dansais. Après,
Les danseurs là sont venus à un moment de salto là. Tu as vu que c'est trop compliqué pour toi. C'est trop compliqué maintenant. C'est que s'il bouge un peu, mais il ne peut pas vraiment. Mais Abou Dinda Libata, par exemple, pour lui faire salto là, il va les entraîner. Ouais, l'inspiration vient comment après la danse? À Talakouman ou même DJ en même temps? Oui. Comment ça DJ, comment? DJ, je passe. J'étais très blessé, très piqué. Mm-hmm. Quand j'étais dans la rue là, à Kumasi. Et puis. Moi, je venais chanter devant les filles qui vendent les porcs et autres, et à checker les kidounous, les trucs comme ça. Mm-hmm. Voilà. Pour que je puisse avoir un peu de à checker et puis après aller développer comment avoir une quelque part qui m'a jamais reçu. Et puis, juste, c'était à côté d'un maquis, mm-hmm. à Kumasi. Et puis, je vois des gens, je vois un attroupement, je vois quelqu'un qui est à côté, le DJ s'appelait DJ Boga Sexy, un truc comme ça. Mm-hmm. Et puis, il est en train de chanter. C'est le Yébisanga, c'est le truc donc. Moi, je faisais déjà le Yusumba, je faisais déjà le Zouglou. Mm-hmm, et j'avais déjà des mélodies. Mais quand le couplet décalé est né, c'est né avec des mots. C'est pas né avec des mélodies. Mm-hmm. J'avais déjà des mots, il faut utiliser les noms des créateurs, tout, du mouvement. Et c'est ça qu'on appelait Akalako. Voilà, tu es beau, tu n'es pas beau, on dit tu es beau. Tu es parfumé, tu n'es pas parfumé, on dit tu es parfumé. Yébisanga, Yébisanga. Voilà. Et ça commence à lui donner de l'argent. Il te donne de l'argent, il dit, mais attends. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Le gars, il chante pas juste là. Ouais. Mais moi, mais c'est un chanteur. Et puis, c'est que lui, il est en train de faire là, c'est comment? Et puis, moi, je suis galère comme ça. C'est quoi ça? Et puis, je reviens dans le maquis. Je dis, je vais bosser dans le maquis. Donc, mon vieux père, qui s'appelait Mystique, a commencé à me former, tout. Dans le début, il faut... brancher les appareils, il faut après brancher les appareils, on t'envoie ici, on t'envoie là, ça chauffe qu'un. Mais c'était le mouvement. Mais j'étais focalisé sur la chanson. Wow. Voilà, donc c'est de là qu'est parti le truc. D'accord, voilà. Et de là tu sors ton premier titre? Non, je travaille déjà. Déjà? Je commence à bouger de maquis à maquis, je me retrouve à Derewaf, je me retrouve à Kumasi, je vais à Yopougon, et après je termine au Mille Maquis. Voilà. Ouais, je me souviens de l'époque du Mille Maquis. Voilà, Mille Maquis, ouais, et tout. Je sens un truc avec Ivan Trésor. Ivan Trésor. Mm-hmm. Après, chacun part de son côté. Et puis, je me lance dans le mouvement sport. Oui, à la base. Quand je vois mon vieux père Dino Malachi en train de prester, parce que moi, j'observe beaucoup. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Donc, j'ai aimé. J'ai dit, bon, moi aussi, je vais faire un style. C'est vrai qu'il fait comme ça, mais je vais aussi faire, mais d'une autre manière. D'une autre manière. Donc, je suis venu avec Reggae des sports. Et puis, peu c'est venu. Okay. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui. Mais Boucantier me disent que tu as entendu ce que Yorobo a dit là. Ça c'était Pierre Sonam Yorobo, c'était au funérail de Sami DJ au Mille Maquis. Donc on est venu, on a tué, hein. Chacun a tué. Donc Yorobo a fait accident. Bon, en ce moment là, Yorobo, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Hein. Il peut venir et accrocher tout le monde. Bon, on dit, mais il vient quand même. On va venir ici encore, on va venir dire quoi ici? Et puis, paf, Yorobo sort. Et puis, à Ebeki, on l'annonce, c'était la première fois qu'il allait jouer Yesmi Djeka. Donc, tout le monde est branché, on l'écoute. Il nous a clashé de ouf. Ah, la musique ivoirienne aujourd'hui est devenue comme du caca. On est rentré même dans le sol. Et moi, vieux père Dino Malachi, lui dit, ah, on s'en fout, on sortait de l'ambiance. Et puis, c'est mes petits là qui me disent, le vieux, t'as entendu ce qu'il a dit là, non? Ah, t'as vu longtemps, mais tu chantes pour les gens, ils passent à la télévision, tout et tout. Et puis, tu vois, ils font les concepts. Toi, tu fais pas de concepts. Je dis non, ça vient. Parce que moi, j'étais sur un projet. Quand j'avais fini, et puis j'avais déjà un concept depuis Bassam qui était Tobago Dance. Et puis, j'allais faire ce que donc, quand j'ai fini mon projet, je dis bon, attaquons maintenant la télévision. Et puis, c'est comme ça que la carrière a véritablement commencé. Avec les concepts. Donc, on a fait Tobago Dance. Mais parce qu'en fait, le système des chansons à sport, c'est vrai qu'au départ, quand ça a commencé, Que des spots, ça avait dérangé un peu beaucoup de personnes dans le mouvement. Oui, ça, je m'en souviens très bien. Ouais. Parce que non seulement, déjà, on dit que dans le coupé décalé, ce n'est pas des chanteurs. Mm-hmm. Et puis, il y a un autre groupe qui arrive encore. Eux-mêmes, ils citent non seulement une carafe. Donc, imagine déjà, la gangrène devenait problématique. franchement. Voilà. Donc, Dino Malachi, qui est salué au passage, quelqu'un qui est très bien aussi. Tu peux nous donner le nom de quelques bons chanteurs de coupé décalé? Quelques bons chanteurs de coupé décalé. Pour toi, non, de quelques bons chanteurs de coupé décalé. Ouais, pour toi. Il y a plein de bons chanteurs. Il y a plein de bons chanteurs. Dans coupé décalé. Déjà, oui. Bon chanteur. Déjà, De Bordeaux, c'est un bon chanteur. Mix, c'est un bon chanteur. Venom, Baby.
Serge Bino, qui a vraiment bossé aujourd'hui, vraiment qui fait plaisir. Avant, il ne bossait pas alors. Oui, non, c'est que Bino était d'abord arrangeur. Voilà. Mais maintenant, franchement, en tout cas, il fait du bon boulot. Mori aussi, le moulin, le vieux, voilà. Mais j'ai l'impression que tu as peur d'assumer. Mm-hmm. Tu dis les bons chanteurs de coupé décalé ne sont pas beaucoup. On peut compter du bout du doigt. Donc moi, quand je me fie à ça, et puis tu entends ça, tu cites aujourd'hui tout le monde. Mais tu as peur d'assumer. Non. Mais lui-même, ça se nomme bien. Voilà, il y a beaucoup de bons chanteurs, tout. Mais je veux dire que des gens qui se tapent la poitrine, ou ils sont les meilleurs. Tel que qui? Voilà. Bon. Vas-y, t'es gêne pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas citer le nom, mais ce qui est sûr. Non, les Ivoiriens veulent savoir qui sont les bons chanteurs de coupé décalé, qui ne sont pas les bons chanteurs. Il ne faut pas avoir peur. Non, je n'ai pas peur. Mais je n'ai pas envie de parler des gens. Je suis fatigué, en fait. Parler des gens. Je veux parler de moi maintenant. Mmh. Ouais, il est temps maintenant que. Parce que désormais, c'est moi qui porte le brassard. Anakona, lui il dit que les gens se tapent la poitrine. Bon, lui-même, il s'est tapé la poitrine aussi. Oh, oui, mais arrivé un moment, c'est quand tu es trop talentueux et que tu laisses des gens qui ne te valent pas à la cheville se taper la poitrine pour dire voilà qu'ils sont les meilleurs, tout et tout. Parce que le coupé décalé, comme c'est un film, nous au début, on n'avait pas compris. Donc, ceux qui ont un talent mais qui ne sont pas meilleurs disent qu'ils sont meilleurs. Après, ça suit vite et tout. Maintenant, les vrais chanteurs, là, les vrais talentueux là, de couper décalé là. Vont s'exprimer et DJ Léo est le meilleur. C'est pas du fait que tu es dans franc-maçon que tu es devenu meilleur. Franc-maçon, pourquoi? Où tu enlèves ça? Parce que les gens racontent que tu es rentré dans la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie? Tu as compris, mais tu n'as pas compris. Tu es dans franc-maçon, tu dis franc-maçonnerie. Tu es dans franc-maçon, non? C'est pas ce qui t'a donné Range Rover à ce qu'il paraît. C'est quoi ça? Où tu enlèves tout ça? Ah, je te pose la question, tu dis où j'enlève ça? C'est ce que toute la ville dit. La ville dit quoi? Que toi, ton succès, c'est parce que tu es entré dans franc-maçon, que ça va. Tu as eu Range Rover. Si c'est faux, fouille dans toute la Côte d'Ivoire, que c'est faux, tu chantes bien, c'est tout. Parce que pour vous, quand quelqu'un te fait un cadeau, il est franc-maçon. Ah, c'est un cadeau. Ah, mais tu es au courant, c'est pas qui pose question. Oui. C'est pas qui pose question, non? Donc, dans quelle cause il y a? Non, moi, quand les gens en parlent en ville, nous, on récolte. Maintenant, quand tu es là, tu comprends. Bon, il donne le cadeau pour quoi? Parce qu'il te plaît. Parce que tu dis, bon, c'est quoi le cadeau? Quel est le but du cadeau? Ça vient des fleurs ou ça vient quoi? Non. C'est un parrain. Ah, c'est un parrain. C'est un parrain. Vous savez, ici, quand un parrain, voilà, et puis ça étonne. C'est étonnant parce que dans le coupé décalé ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. C'est étonnant que quelqu'un donne, tu vois, ce genre de cadeau. Ouais. Tu vois. Donc, si les gens en parlent, c'est eux qui voient. Mais sinon. C'est pareil. Mais toi, quel est le mérite que tu as par rapport aux autres et puis toi, ton Range Rover? Chacun a son étoile, chacun a ses pareils. Au Mali, ils n'ont pas ce problème. Mm-hmm. Dans les autres pays, ils n'ont pas ce problème. Mais en Côte d'Ivoire, on est tellement habitué aux boucantiers qui nous donnent de l'argent, fa-fa comme ça, que quand quelqu'un te donne, tu vois, tu fais un gros cadeau comme ça, en même temps, les gens se donnent. Ils ont changé de sujet. Il faut des Ivoiriens qui, toi, ton pareil, n'est pas un franc-maçon, il est fan de tête à donner Range Rover. Mais il est fan de lui comment? Mais il ne veut pas répondre. Il ne veut pas répondre comment? Il m'a fait un cadeau. Il t'a vu comment il t'a fait cadeau Range Rover? Mais je le chante. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il est mon papa. Il s'appelle comment? Je ne peux pas te dire son nom. Mais c'est que c'est louche si tu ne peux pas dire le nom de ton parrain. Je ne peux pas te dire son nom. Défalé, il chante Dieu. Il ne va pas chanter son nom. Moi, il se passe que tu ne peux pas te dire son nom. Il ne peut pas te dire son nom. Non, mais bon, c'est que chacun. C'est mystique. Chacun, c'est mystique. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mystique, qui est dans l'homme, si tu ne peux pas dire son nom? Non, bien fait, on dit son nom. Non, il ne veut pas. Il veut que ça soit discret. Ah donc, il t'a fait le cadeau dans toute la discrétion, il ne faut pas dire son nom. Tranquille. Bon, en général, Didier Léo, tu me diras, quand quelqu'un te fait un cadeau dans la musique, c'est pas c'est des atalakous dans le l'amour. Toujours atalakous dans ses chansons. Oui, le gars, il en jaillit et puis il te fait le cadeau. Oui. Bon, maintenant, s'il te fait le cadeau et puis il ne veut pas que tu dises son nom, bon. Après, les gens vont... Peut-être que le gars ne veut pas que tu l'exposes parce qu'il ne fait pas de bonnes choses. Excuse-moi de le dire. Parce que où tu vas en venir, ça, sans nom, pense. Ah. Non, ce n'est pas ça. C'est un papa pour moi. Voilà. Et puis, Laurent, ça valait de combien de millions? Tu fais quoi tout ça? On veut savoir. C'est un cadeau qui est fort. Non, tu fais quoi tout ça? C'est un cadeau qui est fort. Restez là. Tes fans, là, ils sont beaucoup. Restez là. Vous n'êtes pas habitué au Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas habitué. Sinon, le CDI qu'il a, il n'a pas de problème. On veut tout voiture. Les confis, les familles là, on leur fait des grands cadeaux. Mais vous là, vous n'êtes pas habitués. Mais dans la coupe décalée là, restez là. Un jour,
Un jour, elle sera maison, un château. Et puis, elle filmait lieu. Voilà. Il y a quoi? Non, coupez des cadavres. Vous êtes combien en vous donne cadeau Range Rover? Tu me demandes. Toi, mon gars. Bon, je ne sais pas. Je ne connais pas pour les autres. Tu vois? Je ne connais pas pour les autres. Hein? Donc, comme la nouvelle est déjà partie. Voilà. Et que vous parlez, moi, je suis obligé de dire. Sinon, voilà. Mais je vous dis. Mais sinon, elle est où? Les gens parlent. Non, ils n'ont qu'à parler. Okay. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et ce monsieur, je le remercie. Voilà. Vraiment que Dieu mette au centuple voilà, tout ce qu'il fait pour moi. Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai perdu mon papa, Amadou Bon Koulibaly. Voilà. Qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix. Voilà. Sinon, on n'a rien contre toi si tu es un franc-maçon. Non, je viens, franc-maçon. Comment franc-maçon? Dis donc, on n'a rien contre toi si tu es un franc-maçon. Si tu n'es pas dedans, si tu n'es pas dedans. Toi, mais tu es un franc-maçon. Peut-être t'as apporté collier de franc-maçon. C'est la maison qui a besoin d'un franc-maçon qui est là. C'est un truc gothique. Okay. C'est gothique. C'est un gothique. Tu es le premier DJ ou l'un des premiers DJ à construire une maison. C'est l'un des commissaires 5500, ces millions là, tu as pris pour aller construire une maison. Commissaire 5500 n'est pas mon meilleur boucantier. Commissaire 5500 n'est pas mon meilleur. Il y a boucantier ou puis il y a brouteur. Hein? Non, c'est toi qui vois. C'est quoi la différence entre boucantier et brouteur? C'est toi qui vois. Je te pose une question sur ton domaine. Ah bon, quand le vieux Serge Fallet, était boucantier, il était brouteur. Voilà, pose-lui la question. Il ah, faut lui poser. Pose-lui la question. C'est pas mon émission, je ne suis pas l'invité. Moulin était brouteur. Pose. Douxada, fais Douxada, il était brouteur. Ça, c'est la question, c'est sérieux là. C'est toi qui peux faut répondre. Alors, je ne vais pas l'inviter. On répond à des questions. Défalé. Bon, oui. Des grâces, vous de répondez. Mais c'est quoi la différence entre un boucantier? Un brouteur et un boucantier, c'est quoi la différence? Parce que tu as dit non, que. Bon, tu dis 5500, c'est l'un de tes boucantiers. Donne la définition d'un brouteur. Moi, je ne connais pas. C'est pour ça que je vous demande. Ah, si tu ne connais pas un brouteur, c'est un mouton, c'est un bœuf. Non, c'est un réaliste. Non, non, non. C'est un réaliste comment? Parce que tu dis. Toi, tu ne connais pas. 5500, tu dis c'est un boucantier. Oui, mais c'est un boucantier. Moi, c'est mon petit frère de Bassam, c'est un boucantier. Mais un brouteur, c'est quoi un brouteur? Non, non, non. C'est quoi un brouteur? Oui. C'est un mouton. Ils sont abatteurs de porc-bouille. C'est un mouton, un bœuf. Ils broutent l'air. C'est eux les brouteurs. Donc, les boucantiers, là. Les boucantiers, c'est ceux qui viennent te soutenir. Financièrement. Et qui vont te donner des points. Ils font le boucan. Ils viennent prendre leurs points. Tu les chantes, ils sont contents, ils te font plaisir. C'est un peu. C'est partout, ça existe. Ça existe depuis. Est-ce qu'il dit la paix à son nom? Il dit, toi, tu es l'ami des brouteurs. C'est ce qu'il dit? Oui. Et puis, tu vois, il vient de partir, tout ça, il faut laisser tranquille. Non, il a dit père à son nom, il dit, toi, tu es l'ami des brouteurs. Non, c'est-à-dire que toi, ta cible là. Est-ce qu'il est tranquille? Est-ce qu'il est, repose en paix? Faut pas écouter vieux là, pardon. Ces jeunes-là te vouent un culte après les attaques que tu fais pour eux. La plupart du temps, ils font des rangs même par moment pour venir te donner de l'argent. Bon, d'aucuns sont tentés par moment pour dire non que, ah, on dit, nous, allez, basser les enfants là. Eux-mêmes, moi, c'est basser, toi, mais tu les complètes encore pour les accompagner. Et nous parlons de ce que les gens disent. Est-ce que tu vois un peu? Et c'est vrai qu'à un moment, tout le monde s'est dit, mais attends, il y a beaucoup de gens qui ont le pourquoi saisir Léo seul, il vient travailler? Parce que Léo maîtrise mieux ce mouvement. Ah, ok. Léo maîtrise mieux, Léo fait un très, très beau boulot. En tout cas, en matière de sport là. Oui. Hein, de sport là. Les gens, ils savent que c'est le roi. Et tu as les mélodies de ça, ils connaissent, ils connaissent moi qui ai envoyé les sports kilométriques. Voilà. Donc, ils connaissent. Par exemple, Serge de Fallet. C'est fait. Certes, Léo a apporté une nouvelle couleur. Donc les enfants sont contents. Mais les adolescents, les années millions, eux-mêmes vont venir chez les parents. Léo, il faut nous répondre. Mais attends, il faut chez eux. Mais c'est à toi qu'ils viennent donner, non? Moi, chez eux. Mais quand ils viennent te donner là, tu ne les demandes pas d'où vient l'argent. Moi, je suis dans mon maquis, il faut m'écouter. Non, tu es dans le studio. Je viens, ça a commencé la maquis. Ça existait depuis, même avant de couper des cadres. Ça existait depuis. Moi, je fais mon boulot. C'est lui qui vient. Je ne cherche pas à savoir s'il vole cabri. Ou bien vol mouton, ou bien il est parti faire ses petits fétiche qui part. Ou bien je ne cherche pas à savoir ça. C'est un parrain, chacun ses parrains. Non, toi tu cherches pas la provenance de l'argent. Je m'en fous de ça. Donc, ton jeune frère commissaire Saint-Michel, quand il est là en prison, là, il avait fait quoi? Mais toi, tu n'étais pas là-bas.
C'est ton jeune frère, non? Ça, tu es parti de voir, non? Ça, à toi, il donne les millions, non? Est-ce qu'ils l'ont jugé? Ça, à toi, il donne. Ah, ça, c'est la justice. C'est la justice, moi, il ne sait pas. Ils l'ont pas jugé? Il s'est évadé, alors? Il s'est pas évadé. Mais il est sorti. Il mais c'est un pays, on ne juge pas quelqu'un, puis il sort. Non, on ne l'a pas jugé. Parce qu'il n'y avait pas de preuve. Écoute-moi, il n'y avait pas de preuve. Les gens en parlent. Parce que vous voyez, je suis en train de donner de l'argent à quelqu'un. Il est en train de se faire plaisir que tout. Et puis, il a gagné son argent. Ça travaillement là, le minimum sur toi, c'était combien comme ça dans l'affaire de combien? Quand il jetait là, c'était minimum. À son conseil, premier conseil à l'habitude là. Il m'a dit. Il n'est pas parlé, ça fait déjà bouffer le jeton, Mais tu connais, tu as une idée plus ou moins du montant. Ah, c'est bien sûr, c'était le million. Mais quelqu'un qui est conscient, qui fait un boulot normal, comme il va prendre toujours des millions et des millions, vous voulez jeter sur un artiste. Revenons directement sur vous. Est-ce que je suis le seul artiste? C'est toi qui es là? Non, je veux rester sur le seul artiste. Ceux qui ont fait ça ici, là. Non, c'est toi, tu es là d'abord. Les oublements sont là. Tout le monde est là. Tout le monde chante. Mais même le showbiz. Il y a même gars, c'est le showbiz. Pourquoi vous mettez ça pour mettre le problème ce matin? Non, parce que eux, là, époque là, c'était 36 Eux, là, quand là, c'était 36 Kim. Maintenant, vous, on dit que c'est les broutais qui volent. La ça, les gars. Faut laisser des trucs. Non, vieux. Ça va, on va dire, t'as quand même un maçon. T'as même à la Gonda, émission là. C'est dit que bon, monsieur, ton coin de matin, tu veux me tuer aussi. Nous, on est ensemble. T'as quand même fait un maçon, t'as y'a quoi? Y'a quoi? Ça peut être ma maman aussi. C'est quoi ça? Où est-ce que 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 ça? Où est-ce Bon, à la gueule, Yann. Karine est venue ici. Elle a fait une parole sur le plateau ici. Elle dit. Que elle en boule contre une go. Bon, nous on lui demande, mais qu'est-ce que tu rapport Léo? Qu'est-ce qui se passe? Elle tourne sur la question. Non, mais moi, attends. Bon, disais Léo, comme toi-même tu es assis ici. Dans la vie, la vie, tout à l'heure. Je sais. Il respecte beaucoup. Mais ton babé! Mais ton babé, dans la de moi, là, il y a une rivalité qui s'est installée. Mais la rivalité va s'installer, c'est normal, ce sont mes bébés. Ah, ce sont ces bébés ouais, à la bonne. Ce sont mes bébés, ce sont mes filles. Ah. Et quand tu prends deux artistes, forcément, elles font du coupé décalé. L'autre n'est pas Zouk. Mais entre les deux, il y a une qui était un peu fan quand même, non? J'ai fan les deux, même. Il faut laisser ça. J'ai fan les deux. Mais si tu ne vis pas la polygamie et les deux filles. Parce que tout le monde parle de ça en ville, on dit non que les deux sont elles. Ouais, mais j'ai une idée polygamie, c'est ça, non? Sinon, attends normalement, en tout cas, toi, tu as eu une aventure avec Jeannine. C'est ce que la ville dit. C'est ce que la ville dit. C'est ce que la ville dit, là. Non, maintenant, on vient poser la question devant toute la Côte d'Ivoire. Au moins pour nous éclairer. Non, voilà. Non, c'était mon artiste. Jeannine, c'est déjà une petite soeur, depuis même dans la danse et tout. On se connaissait. Et puis bon, elle a voulu chanter. Elle est venue vers moi pour que je puisse lui donner un coup de main. Et donc, comment c'était fait? C'est un clip qui a été censuré, c'était dur quoi. Amusez-vous. Hein. Amusez-vous, ouais. Amusez-vous. Amusez-vous. Je voulais faire le buzz. Je voulais faire le buzz. Le provoquer un peu. Je voulais provoquer un peu parce que j'étais trop dans mon coin. Et puis bon, tout ce qui est chanté, oh c'est bien, c'est bon. Oh il est fort, il est fort. Il est fatigué, en fait, des commentaires. Voilà. C'est bon, c'est pas mal, d'attendre. Je suis un homme. Pourquoi tout ce que je fais est bon? Non. Mais comment la sélection des filles s'est passée? Elles ont osé quand même dans le clip. La sélection oui, j'ai appelé mon frère J.B. Bonheur. Voilà. Donc, il m'a envoyé les filles. Mais les filles qui étaient dans ton clip là, c'est des filles busy ou mais c'est des filles conscientes, normales? Mais va leur demander ça. Mais c'est toi qui les as dans le clip, non? Quand vous voyez pour les Américains, vous ne parlez pas. Hein. C'est pour moi qui est busy. Ils te demandent. Elles viennent travailler, on les paye. D'accord. Elles viennent travailler, on les paye. Déjà, elles sont déjà contentes même de bosser avec les autres et tout. Alors, on finit après, on donne leur cachet, on rentre à la maison. Ouais, qu'est-ce que tu penses de Bibi Philippe, Kedivara, Kérosène? Et Vétur Lolas, oui, Vétur Lolas. Vétur Lolas. Vétur Lolas, c'est une bombe musicale. Ouais. Une bombe musicale, mais qui a besoin de soutien. Okay. Besoin de soutien, parce que depuis, il se bat. C'est pas pour le couper les calais, mais ça n'avance pas. On sait pas. Moi, je sais pas si c'est. C'est un truc qui suit, mais il a besoin de soutien. Et tout récemment, je crois qu'il a parlé du DPA Salfo et tout. Donc, j'espère, nous tous, on espère que le vieux à Salfo
qui a vraiment toute la capacité de pouvoir aider, va avoir la main sur le cœur pour aider notre veto, parce que vraiment, c'est un talent sauvage, François. Le brut. Ouais, brut. Et Kedivara. Kedivara est devenu homme d'affaires maintenant. Oui. Comme il est homme d'affaires, il peut chanter maintenant. Il chante, il chante. Non, je viens. Kedivara est devenu homme d'affaires, parce que ses chansons, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé, c'est toujours les mêmes mélodies. Pourtant, il est dangereux. Donc, il a recouché. Il est dangereux, mais je comprends que la musique, là, ça lui rapporte plutôt d'argent que l'autre côté, là, toi, dans les affaires, ça marche, mais je le sens plus trop musicalement, franchement. Mais parlant des affaires, comme les brouteurs et les boucantiers sont plus là, toi, à part la musique, qu'est-ce que tu fais? Moi, à part la musique, je passe du temps avec ma famille. Tu n'as pas autre activité dans la vie? Non, j'ai vu de la musique. Voilà, c'est bon. Dédé, il faut que tu aies déjà construit ta maison. Hein. Ah, c'est toi qui vois. C'est toi qui connais les gens, connais tout ça, c'est toi qui vois. Et Bébé Philippe, qu'est-ce que tu penses? Bébé Philippe, lui, c'est notre génie. Ah, Bébé. Bébé. Voilà, non, Bébé là. Ça veut dire qu'il faut le voir travailler, quoi. Ouais. Pour savoir. C'est un passionné. Non, il s'est rendu compte du génie. On prend les gens dans la bouche, dans les blancs, il dit c'est génial, c'est un génie. Bébé, vraiment. Côté chanson, il chante bien. Mais je crois que comme lui-même l'a si bien dit, ouais. Il fabrique des trucs, voilà, des numéros 1. Mais sinon, en tout cas, Bébé, il faut les voir travailler pour voir. Non, Bébé est prêt. Chapeau, Bébé. Chapeau. Chapeau, mais t'es trop cher. Bébé, t'es trop cher. Mais il faut aller chez Beno alors. Mais il va chez Beno. Beno est plus concentré sur la musique. Mais là, il est plus chanteur maintenant. Plus chanteur. Voilà, toi, la carrière. Mais en parlant de Beno, il paraît que le jour du décès d'Eskeli, tu étais au studio de Beno en train de travailler. Et tout d'un coup, tu as été pris par, comme si une forme de quelque chose t'a pris, tu as commencé à boire des sachets de whisky et apparemment, tu as commencé à te comporter comme Eskeli. On dit, tu as commencé à faire comme les trucs d'Eskeli, quand il fait, tu as pris les poules, tu verses dans les gens du studio, tu as tout cassé dans le studio. Et comme c'est Beno, on dit, bon, sûrement, il prend maintenant poids, il se lève comme un peu musclé, t'as des nappes pour te faire sortir. Ouais. Parce que tu t'es tout cassé dans son studio. Ouais. Déjà, j'étais chez lui. J'ai un peu merdé là-bas. J'ai un peu merdé. Donc, je profite de l'occasion pour présenter mes excuses à Serge Bélo. Parce que c'est pas bien de venir chez les gens et puis bon, on est venu pour travailler. Travailler, oui, en studio. Pour travailler, mais comme tu as dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça reste comme ça? C'est quelque chose de passé. Un grand pardon à Pharaon, qui est aujourd'hui Landry Blessing, mon frère, Tchesco le Sultan. Tout et tout, voilà, je vous demande pardon, on termine pour travailler, si vous ne voulez pas travailler, n'allez pas venir là-bas. Mais non, vraiment pardon. Pardon à ta famille, à tout le monde, franchement. Merci. Bon, tu es parti à ta voiture, sur la route. Laquelle des voitures, Range Rover, là? C'est celle qu'on lui a offerte. On dit que la voiture s'est retrouvée un peu cassée devant. Est-ce que dans ton élan, là, tu n'as pas nié que comme cassé quelque chose? On ne sait jamais. Bon, en tout cas, vous mêlez vraiment, vraiment de beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne sont pas aussi vraies dans ce que vous dites. Ah, bon, nous, c'est les échos qu'on a. Je suis rentré à la maison, tu vois, si c'est un saut. Alors, DJ Léo, dis-nous, on sait que tu es l'auteur de plusieurs tubes à succès, et en l'occurrence, arrangé par Elvis Segond. Mais ta dernière chanson, c'est pas Elvis Segond qui a arrangé. Il y a un problème entre vous, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de problème. Elvis Segond, c'est mon frère. Ok. C'est mon frère et. Arrivé un moment, il faut changer un peu la couleur. Okay. Voilà. Il a fait. Il faut aider. Il faut aider. C'était très bon. Et il est encore talentueux. Il est encore très bon même. Mais j'ai un peu abusé de lui. Okay. Voilà. Donc, hein, il faut aller un peu changer la couleur. Parce qu'il m'est arrivé un moment, les femmes demandaient ça aussi. Hein. Il faut aller un peu voir ailleurs. Et puis. Revenir. Voilà, c'est comme ça. Okay, ça soit je ne dois pas être trop. Tout sinon, ça sera monotone à l'événement. Ouais, pour voilà, éviter la monotonie en fait. Sinon, on est ensemble avant de venir, même j'étais avec lui. Voilà, ah. On ne lâche pas la famille. Non, parce que les fans étaient un peu inquiets parce qu'on sait que pour habitude, c'est lui qui arrange tes sons. Ouais. Donc, il fallait bien qu'on te pose cette question. Alors, Anaconda. Donc, tu as toujours des bons rapports avec tes anciens gars, tout et tout, c'est ça, non? Oui, moi, je suis. T'es free. Free, je suis toujours.
Voilà, bon, toi tu es bien, moi je suis bien, toi. Mmh. Tranquille et puis. Donc, en parlant de tes anciens gars, enfin, je ne vais pas dire que ceux qui y a, c'était dans ce sont tes anciens gars, mais qu'est-ce qui devient un gars comme François Ier, anonymement le phénomène, président sans monnaie, tous ces gens qui étaient dans tes chansons. Président Morrison, la machine à sous. Bon, François Ier, on n'avait pas trop de trucs ensemble. C'était c'est un boucantier, non? Mais c'est un boucantier. Oui, non, c'est un boucantier. Je crois qu'il est sur Paris maintenant, tout. Anonymement le phénomène. Voilà. Non, mais c'est quand tu vas à Paris, parce que plein sont là-bas maintenant. Donc tous les cités les sont quand là-bas. Quand je vais, Morrison est ici. Voilà. Morrison, tu t'es écouté, profitant de la vie, il est dedans. Les Zidane et autres. Voilà, c'est des gens qui ont contribué aussi à l'évolution de Léo. Donc, on a c'est du PCAO. On a de bons rapports. Les jeunes riches. Chacun. On a de bons rapports. Il n'y a pas de parlement, mais chacun gère son business. À un moment aussi, ils ont grandi. Ils font leur business, ils sont passés à autre chose. Tu vois. Tu as près de 50 millions de ses enfants. J'ai eu près de 50 millions de ses enfants. Peut-être même plus. Pourquoi toi tu te focalises à 50 millions seulement? Je suis dans quelque chose il y a longtemps. À chaque soirée, on me donnait des millions. Donc, attends, ça fait des années, ça dépasse ça. Comme toi, tu connais non, tu dis un chiffre de trucs là. Ça dépasse. C'est beaucoup que ça même. Alors, dis Léo, ta nouvelle sortie, il faut aider. Ça parle de quoi? Il faut aider comment? Qui doit aider? Les parrains, les jeunes, il faut aider. Bon, il faut aider. Il faut aider, c'est l'avant-dernière chanson de DJ Léo. Ok. Voilà, il faut aider parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la main sur le cœur. Il y a des gens qui aiment percer l'orange au lieu de le fondre en quatre. Voilà, en quatre. Voilà. Qui sont pas gentils. Voilà, et moi je me dis que quelqu'un a aidé quelqu'un. Et aujourd'hui, cette personne est devenue quelqu'un. Donc cette personne à son tour aussi doit aider à tout niveau. Voilà, à tout niveau. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette chanson. Voilà. Nous, en tant qu'artistes, on a besoin de soutien. Voilà. De nos parrains ou autres, de nos fans. Des chaînes de télévision comme Ivoire TV, chaînes de radio, en tout cas vraiment tout ce qui peut nous aider. Voilà, et chacun à son niveau aussi a besoin d'aide. Voilà, élève comme tout, en tout cas, l'homme doit aider l'homme. Et le dernier titre, c'est lequel? Réveillez-vous. Et son dort. Ouais, ça dort, le coupé décalé, ça dort. Départ à Fat est mort là. Oui, ça dort. Ah, ça reste une onde reçu. Si il dit que ça dort, pas ça dort. Ça dort. Ça sort les chansons, mais ça dort. Parce qu'il n'y a plus de crash, il n'y a pas de buzz. Il n'y a plus de concentration. Pas les buzz, mais il n'y a plus de concentration. D'autres se dirigent vers d'autres styles de musique. Et ce n'est pas bon pour le couper décalé. Ce n'est pas bon. D'autres rêvent. Pour d'autres, c'est eux les premiers. Parce que, voilà, Yorobo n'est pas là. Donc, eux rêvent. Ils sont rêvés, ils dorment, ils sont sur, je ne sais pas, ils sont quelque part, ils sont où même. Est-ce que c'est maintenant, donc ceux qui disent qu'eux sont les premiers depuis qu'à la fin des années, donc pour toi, ils rêvent. Ils sont rêvés, ils sont en train de rêver, mais on ne sent pas. Et eux-mêmes sont conscients, c'est plus ça. Mais c'est pas ce que Arel Chenu nous a dit ici, hein. Il doit se mettre au boulot. C'est pas ce que Arel Chenu nous a dit. Il a dit quoi? Il dit, il est le messie de la musique ivoirienne de couper décalé, c'est-à-dire mais lui. Donc lui, il dit, c'est vous qui dormez. Il est libre de se donner un nom. C'est le couper décalé. S'il dit qu'il est le Messie, moi je suis le cadeau du ciel, non? Oui. S'il dit qu'il est le Messie, c'est normal, je n'ai pas de problème avec ça. Mais seulement que je dis qu'ils doivent se réveiller. Se réveiller, ne pas aller vers d'autres styles de musique. De rester toujours coupé décalé. C'est vrai qu'on peut faire du rap, on peut faire du samba, on peut faire du zouglou un peu, mais par moment, et puis tu reviens au coupé décalé, sinon le coupé décalé va mourir. Mais est-ce que tu as dit ça à votre président, qui est Eliouki, le président du coupé décalé? Eliouki, c'est qui Eliouki? Ah, c'est le président du coupé décalé, on l'a reçu ici, même Défalé n'a pas pu parler, il est le président du coupé décalé. Eliouki, c'est qui? Moi, je ne connais pas, je ne connais pas. C'est qui Eliouki? C'est un chanteur de coupé décalé, il est le président du coupé décalé. Il a dit ça des mêmes. Moi, il est quoi, là? Il est le président de son quartier, même. Président du coupé décalé, qui a le coupé décalé là? Coupé décalé, vous chantez là. Eliouki, il dit lui, il est le président du coupé décalé. Son premier ministre, c'est Saga Junior. Non, 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 non.
Saga Junior, par contre, moi, je le connais. Oui, mais El Yuki... Voilà, Saga Junior, je le connais. Lui aussi se bat pour le coupé décalé. Mais El Yuki, là, franchement, je crois que ça doit être le président d'un quartier. Alors, DJ Léo, je pense que tout a été dit dans cette émission. Alors, ton actualité, qu'est-ce que tu prépares? Parce que bon, ça fait quand même un bon moment qu'on n'a pas eu de concert de DJ Léo. Habituellement, tu sors beaucoup et on te connaît bien dans ce système-là. Dis-nous, tu peux pas bientôt, tu prévois un nouveau concert. Oui, le concert vient pour clôturer tout ce que tu as fait comme boulot. Bien c'est sûr. Important. On ne fait pas de concert quand on n'est pas prêt. Voilà. Quand j'ai fait mon premier concert, les gens pensaient que je n'étais pas prêt. Parce que pour eux, je chantais que des boucantiers. Mais j'avais les chansons, tout, j'ai sorti des chansons. Et puis j'avais confiance. Et puis j'ai rempli, j'ai cassé le palais de la culture. Ah oui, t'as fait donc, le plein de bottes. Voilà. Ouais. Donc, je demande à Dieu qu'il m'assiste toujours et pour que je fasse un concert encore pour faire plaisir à mes fans. Voilà. Donc ça, c'est un projet. Voilà. Ah, c'est tout bon. Alors, DJ Léo, tu vas me donner ton mot de fin pour tes fans. Qu'est-ce que tu as à dire? Quel est le message que tu as lancé pour tes fans? Déjà, les fans doivent savoir que désormais, c'est la Léo Moroya. La voilà. Léo Moroya. Voilà. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que c'est la Léo Moroya. C'est-à-dire que c'est j'ai un peu renversé. C'est Léo Yamoro. Léo Yamoro. Voilà, c'est en Djoula, ça? Voilà, c'est en Djoula. Voilà, c'est-à-dire que les hommes, hein, ceux qui sont prêts pour Léo. Léo. Voilà. Donc, c'est la Léo Moroya. Mais pourquoi tu n'as pas mis ça en gourou? Non, il ne peut pas mettre ça en gourou. Ça ne passe pas. Peut-être qu'ils ne sont pas beaucoup, les gourous. Non, non, c'est pas ça en fait. C'est, tu sais qu'il y a des ethnies comme ça qui passent bien, un peu facilement. Facilement. Quand on chante en Baoulé, ça passe un peu facilement. Quand on chante en Bété, en Djoula, ça passe. Mais un gourou, là, c'est pas pareil. Tu es un gourou qui est forcément, tu as une idée d'accaffaibli ou bien, le truc. Non. Léo, gourou aussi. Léo, moi, je chante en gourou. Je chante en gourou, roulant, en fait le clip. Quand j'ai fait le morceau avec. Le morceau d'Amou là. Amou en gourou. Oui, on a eu chanté. C'est-à-dire que tu n'as pas eu du cul dans quoi? Bon, je voulais parler de ça, mais tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Voilà, donc réveillez-vous, ce que je peux dire à mes fans, déjà c'est la Léo Moroya. Si tu es prêt pour Léo, tu es un homme de Léo, donc c'est la Léo Moroya. Ouais. Voilà, ça c'est déjà leur nom, déjà, ils doivent savoir. Et puis je leur demande d'aller massivement. Écoutez le son, téléchargez tout et tout, partagez. Réveillez-vous. Et donnez. Voilà, les millions de vues à DJ Léo. Allez, réveillez-vous, c'est la meilleure chanson de toutes les chansons du coupé décalé de tous les temps. Alors, dames et messieurs, merci. Là, c'était le Fafa avec DJ Léo. Surtout, continuez de nous suivre sur les pages Facebook, partout sur Internet. N'hésitez pas à liker toutes les publications, toutes les vidéos de Fafa. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous suivent. Merci à monsieur l'agent au maire de Trècheville, monsieur Maurice Camara, sans oublier la grande famille, la marraine Matilda Erika pour le soutien et Ange Bé le cultivateur. Merci Charlie Cissé, toute la grande famille. Alors, sans oublier ceux qui sont derrière la caméra parce que ce sont des jeunes très talentueux, très pointueux. Sans oublier Soko Soko de Genève, Santiago le Big et à la sono, Stéphane, la grande famille. Merci à la réalisation. Pour le Fafa, Roland le Benguiste, le PDG Zumbac et madame. Merci à tous et à toutes qui nous suivez. Sans oublier, n'oubliez pas les sponsors officiels de tous les temps. Merci. Que Dieu vous bénisse.